Ça va vous? Oui, ça va. Etienne sur ma gauche, Yvan, alors qui est juste derrière l'objectif, donc juste derrière vous en fait. Vous êtes bonjour. Assis là vous, et Yvan il est là. Je vais te chuchoter dans l'oreille. Donc aujourd'hui ce sera les pires bricoleurs. C'est avant tout des gens qui veulent DIYiser le bricolage, qui le font sans doute très mal. Par exemple, mon cauchemar, faut pas me faire mettre une cheville dans un mur. Parce que je suis désolé, mais ça va. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Etienne pour cette vidéo. Il va donner un avis pour chaque chose du bricolage. On rappelle, Etienne, fan de bricolage. Papa menuisier, ouais. Papy menuisier. Arrière. Menuisier. Voilà. Vraiment? Ouais, vraiment. C'est littéralement Etienne et fils l'entreprise. Jouno et fils. Génial. L'entreprise, elle a des camions jaunes. Ok. Et en fait, ils se sont dit, vas-y, on fait un truc délire. Enfin, délire. Sur tous les camions, il y a marqué Jeuneau et fils, c'est pas la poste, c'est le menuisier. Oh, waouh! Et ça, c'est fort. Et genre, mais ça a trop bien marché. Tu m'étonnes. Mais quel génie du marketing. Et genre, ouais, tu sais, Jeuneau et fils, les camions jaunes. Ah ouais, c'est pas la poste, c'est le menuisier. Ça marche. Donc j'ai sur ma gauche un expert en bricolage. Ensuite j'ai Yvan. Yvan, si quand même, cabane en forêt. Ouais, mais c'est de la bricolage. C'est tout. Tu pourrais être dans la série, quoi. Ouais. disons qu'on s'est déjà engueulé sur du bricolage. Oui, donc, de toute façon. Bon, après, avec toi, on rentre rapidement conflit sur des matières, sur ce qui est bricolage. Ok, bah c'est parti, regardons ensemble les pyros bricoleurs. Alors déjà, j'ai vendu la vidéo comme étant une vidéo où on va rencontrer des gens qui sont dans leur jardin et qui essayent de bricoler avec ce qu'ils ont sous la main. Là, on est vraiment sur un chantier de BTP professionnel et donc j'aime. Là, il y a des mecs qui vont se servir et quoi. Alors, regardons. Ah oui, bah oui. Ah, la fameuse. Qu'est-ce qui fait que ça bâche? Non mais, c'est une bâche. Ah, il veut laisser de... Oh là, oh. Ah, bien vu. Non, il y avait de l'idée. C'est pire. Oh là là là. Maintenant, on dirait un petit fantôme. Je suis le fantôme du chantier, laissez-moi. Ah putain, ils sont magnifiques tous ensemble. Hein. Tu arrives à ce moment-là, t'as l'impression qu'ils font un jeu à la pause du midi. Ah, c'est clair. Et 3 points pour Philippe. Si le patron débarque à ce moment-là, t'es mort. Oh. Champion. Bah, c'était génial. Suivant. Ah, oh là, quoi? Eux, ils sont connus. Eux. Quoi? Non, mais c'est qu'eux, ils ont l'habitude, parce qu'en fait, ils bossent dans le cercle du soleil, de base. Ok, ouais. À la base, ils sont trapézistes. Ouais, mais là, si tu veux, c'est depuis le Covid, c'est la merde. Je vois ce que tu veux dire. Donc, ils se reconvertissent. Mais what? C'est des montagnes russes, je veux mettre un wagon en face dessus. Ah, c'est clair. Mais quoi? Et le voisin se dit, c'est normal d'un point de vue norme, réglementation. C'est la vieille corde, mon gars. Oh là là. Oh, aïe, aïe, aïe. Et il est pas accroché, bien sûr. Non, pourquoi faire? Il est en jogos. Ah ouais, il est vraiment la pire tenue où tu peux te prendre les pieds dedans. Il est pas en tongue, il est en babouche, frère. Clairement. Il y a un mec en bas. Il y a un mec en bas qui met son je pied. Je te tiens à l'échelle. Échelle. Dans cette situation, ça ne fonctionne pas, les amis. Clairement, il ne pourra rien faire. Voilà. Si elle fait ça, il fera... À part de là. On peut balancer des suppositions. Bien sûr, que va-t-il se passer dans cette situation? Personnellement, je pense que la charpente va tomber et va éclater l'escabeau. L'escabeau, merci. Réponse A, réponse B. Il va tomber. Réponse C, je pense que c'est beaucoup plus catastrophique et qu'il va y avoir une réaction en chaîne. Ah, pas et toute la maison tombe, après il y a un feu de forêt derrière. Après. Merci, c'est ça que je voulais dire. Il y a les aliens qui débarquent. Voilà. C'est bizarre, c'est humain, mais on a envie de savoir à quel point il a eu mal. À son bruit, j'ai eu un peu peur. Je suis dit là. À ce bruit, le ah oh. Normalement, c'est 2-3 côtes cassées. Le ah oh. C'est 5. Mais le. Ça retombe à 0. Oh là. On s'en pique quand même. Ah, pourquoi je pleure alors que j'ai 57 ans? Oh là, tout est dans cette image. Bah déjà, quand tu commences à mettre un casque dans ton salon, c'est que t'es pas sûr de toi. Ça, c'est un niveau, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est aussi. Il veut remplir un niveau? Qu'est-ce qu'il fait? Il va remplir un niveau, parce qu'il y a plus d'eau dedans. Donc c'est une blague de chantier, genre, tu peux aller remplir le niveau, s'il te plaît? Ah, c'est ça. Oh, j'ai été victime d'une blague de chantier. Vous connaissez peut-être ce gag. Quand vous êtes novice, que vous débarquez sur un chantier, que vous êtes jeune, forcément, on va vous demander d'aller chercher un outil qui n'existe pas. Et vous allez le demander à une personne qui va vous dire, ah non, je pense que c'est Michel qui l'a. Ah non, je pense que c'est Augustin qui l'a. Première fois où j'ai un taf d'été, on m'a demandé d'aller chercher le marteau à bombelle verte. Le marteau à bombelle verte. Ouais, et du coup, tu vas voir absolument tout le monde et personne ne sait où il est le marteau à bombelle verte pour la bonne et simple raison que bomber du verre, c'est chaud.
chaud. Ça se fait, mais c'est pas certainement pas cet outil-là qu'il faut. Est-ce que tu peux me chercher de l'huile de coude? Il y en a plusieurs, c'est génial. Et cette blague est géniale. Est-ce que tu peux récupérer les étincelles quand je fais quand je fais de la meuleuse? C'est marrant, tu les connais tous, j'adore. Et remplir le niveau, ça marche pas mal en vrai. Oui, il y a un truc, ouais. Ça, j'avoue. Je la connaissais pas en plus. Peut-être il se dit, tant qu'il y a une bulle, c'est pas bon. Ah oui, c'est ça. Ah, mais c'est sûr. Tu remplis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la bulle. Suivant, on l'a adoré. Oh là. C'est une mauvaise idée, ça, Jackie. C'est fou, c'est déjà largement entortillé, là. Donc là, il va essayer de sortir de cette situation, mais ça va évidemment s'aggraver. Tous ces oncles qui sont ridiculisés. Ah bah voilà. Connard. Super. Champion du monde. Le connard. Mais juste pour cette image de fin, moi, ça c'est me va. C'est vrai que c'est beau, hein. Ah bah là, il est bon pour aller à la poubelle, le Ralph Lauren, hein. La visseuse des Valtes. T'as reconnu la marque de la personne, là. Je crois. Tes ancêtres vont être contents. Bon, voilà, j'ai passé un bon moment et on est là pour ça. Donc le contrat est rempli, regardez le contrat, il est rempli. Suivant. Ça y est, t'es au sol là. Oh, ah oui, mais non, mais il est bloqué du coup. Mais non. Si, c'est bah, encore une blague de chantier quoi. Ça marche vraiment? Ah ouais, je pense, ouais, bah, ça me paraît à peu près logique. Mais non, tu peux emprisonner quelqu'un? Bah oui, mais c'est sûr. Tu peux attacher quelqu'un sans corde, vous le saviez ça? Ah, oh, c'est incroyable. Un lampadaire. Genre, moi, étudiant, heureusement que j'ai pas eu cette info. Hein, parce que bourré, j'aurais laissé pas mal de potes au lampadaire. C'est hyper drôle. Je veux un lampadaire tout de suite. Après, on peut aller dans la rue, il y a des lampadaires. On va dans la rue. Allez, on va dans la rue. On y va, on essaye. Et on va tester ça. Faut qu'on sache. C'est Yvan qui va s'y coller parce qu'il a des grandes jambes. Tout d'abord, se trouver un bon lampadaus. Il est homologué, hein. Vas-y. Mais attends, mais non, mais c'est coup, pas comme non, ça. Non. Ah, j'adore tout. Il y a des gens qui sortent du boulot à côté. Ça va pas du tout. Voilà. Et cette. Oui. Voilà. Comme ça. Oui, ça. Ça. Okay. Vas-y, sors. C'est incroyable. Alors. Ça marche, non. Si, ça vient. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça bouge pas, ça ne bouge pas. De quoi? Ça vient rien. Allez, t'as pas mal, c'est bon? Bonne soirée. Si. Ah merde. Ah, excuse-nous. Merde, c'était quand même un peu marrant. What? De retour. C'était bien? Je sais pas, on l'a pas encore fait, en fait, on le fait à la fin. Suivant. Non, pas faire ça. Pas quand on est dessous. Astuce. Non, Qu'est-ce que tu fais? Là, t'insistes en fait. C'est un jeu ou... Ouais. Moi, je le dis souvent sur cette chaîne, mais j'ai vraiment... Je suis un être humain. J'ai de la compassion pour les gens qui vont se faire mal ou qui se mettent en danger. Mais quand ils sont trop cons, j'ai pas de pitié, tu vois. Donc, s'ils décèdent, sélection naturelle. Et... Mais ouais, t'es vraiment débile. Est-ce qu'on peut avoir un petit connard condescendant de la part d'Yvan? C'était adapté? Connard. Voilà. Merci, ça me fait plaisir. Attends, après, on est d'accord que normalement le plancher a séché. Donc, tiens. Eh, j'ai quelques notions, quoi. C'est là, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est le but. Le truc, c'est qu'à mon avis, ça a pas complètement séché en vrai. Ah, tu penses ça? Voilà. Voilà. C'est tout! Voilà. Et le bâtiment lui tombe pas au coin, lui pif! Bah, alors là, je suis déçu. Hein. On est pas mort. Ah non! Comment ça, il est pas mort? Ah non! Je suis dégueu, on la garde pas du coup, celle-ci. Elle est nulle. Au montage direct. Je déconne, regardez, vous l'avez vu ou quoi? C'est une blague. Oh, ils abusent. J'ai mis du temps à assimiler cette image. Ouais, c'était vachement haut quand même. Tu peux pas considérer qu'un Manitou peut être considéré comme une rallonge. Tu as déjà vu la pelleteuse Liébert qui soulève la pelleteuse Liébert qui soulève la pelleteuse Liébert qui soulève la pelleteuse Liébert? Non, ça me dit rien ça. Alors là, tu vas être étonné. Franchement, c'est un spot marketing. J'ai envie d'acheter une pelleteuse alors j'en ai pas besoin. Ah, mais c'est une grue même. Qui est soulevée par une grue. Soulevée par une grue, cette grue là. What? Sauf que la grue qui transporte cette grue, elle est transportée par une grue. Et tu sais pas quoi la suite? Cette grosse grue qui transporte la grue, Non, je te le dis, je te le donne en mille. Regarde, mais ça a pas pardon. De sens. Pardon. Je t'ai pas dit la suite. Non, non, je déconne. Et je pense que les mecs du Manitou, ils ont vu ça. Ils se sont dit, bah, c'est comme dans la pub. Ça va forcément mal finir. Voilà, il fait des grands gestes déjà. Il est en mode « Cassez-vous de chez moi! J'ai pas commandé ça! Si, monsieur, c'est à votre nom! Oh » Non, c'est mort. Aïe, aïe, aïe. Là, le piano. Je pense que ça ne passera pas en garantie, le lave-linge, là. Dans quel pays? Plusieurs personnes dans un groupe d'une entreprise se disent « C'est une bonne idée. » On a vérifié, ils vont tous très bien. On n'a pas vérifié. Ils sont tous virés, par contre. Ouais, clairement. Suivant. Ouais, enfin voilà, après voilà, après encore une fois, quand les gens sont des connards, ça me fait pas pitié, j'ai pas de compassion. Je veux dire, ils vont se faire mal, mais c'est ok. Bah c'est un tourniquet où t'as pas besoin de pousser. Ça a l'air marrant. Les deux ça va, mais le mec à droite il s'est fait éjecter. T'as pas vu le mec à droite? Non, j'ai pas vu. Regarde.
Oh, ça va. Je déconne, au moins un tibia péroné. La bétonneuse, elle a failli aller faire sa vie. Elle a failli partir loin. Et on n'a pas de mètre, du coup j'utilise une ficelle. Et on n'a pas de stylo pour faire des marques. Du coup, Thomas, il utilise une vis. C'est pas bon. C'est vraiment très ridicule. C'est très ridicule. Voilà. Bah vas-y, maintenant on coupe. Hein. Bah vas-y maintenant. C'est incroyable. C'est vrai qu'avec Étienne, quand on a découvert ce morceau de bois, avec le trait comme ça, et le trait de découpe à côté comme ça, le trait il est pas droit, il est là, et il découpe à côté, pas droit. C'est incroyable. Merci la prod pour cette surprise. Vous êtes mignons. Suivant. Très pixelisé. Attention. Donc là, ça a intérêt d'être fou. Quoi ? Quoi ? Il est tout seul sur son petit pilier. Il a plus qu'à faire. C'est un ninja, wesh. C'est un chat ? Ça, c'est des chats qui se posent sur les piliers comme ça. C'est sûr, il a lâché un miaou. Il a pas peur. Il a pas peur. Ah, mais attends, mais quoi ? Mais c'est. À l'envers, c'est fou. Suivant. Oula. Oula. Ah, je. Au revoir. Oh là. Attends, la maison tenait sur une poutre là. C'est chaud quand c'est même. C'est vrai, c'est incroyable. C'est fou. C'est étonnamment bien maîtrisé, on dirait. J'ai l'impression qu'à aucun moment il est pire, il est juste meilleur en fait. Ouais, c'est clair, il a déjà. Bon, il a laissé l'échelle dans la ferme. Ouais, ouais, il y a ça qui. Mais il savait qu'elle allait rebondir tellement il est fort en fait. Ah, regarde, elle va aller se ranger toute seule, hop là. Hop dans le camion. Et on y va. Mais c'est incroyable que la maison entière. Sort de son coup quand même. Ouais, ça, c'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est dangereux avec tous les débris, c'est sûr que c'était pas voulu en vrai. Ouais, je pense pas. Peut-être qu'il a divorcé et après le divorce, il a 50-50 de la maison avec sa femme, il a fait ok. Tu veux ça? Bah, on va voir. On va faire ça. Voilà. J'adore. Oh, j'ai une anecdote incroyable. Au tout début de la Redbox, il y avait des galères de plomberie et tout. Et il y a un mec, un plombier, qui vient réparer le lavabo dans le diner. Il y avait beaucoup moins de personnes à l'époque à la Redbox, à part nous. Et le mec, il était en train de vivre cette situation. Ça lui pétait à la gueule. Et pendant 15 minutes, il était en mode à l'aide, coupez l'eau. Et nous, on est youtubeurs, on a la Redbox. Quelqu'un qui crie, c'est normal. Il est en train de réagir certainement à quelque chose. Ça a duré si longtemps. Au bout d'un moment, je dis à quelqu'un qui gueule, il a pas l'air bien quand même. Et je vais voir comme ça, les mains dans les poches, tu vois, genre le youtubeur. Et je vois, waouh, coupez l'eau, allez! Et j'éteins, et le mec il était épuisé. Ça fait je sais pas combien de temps que j'écris, j'ai incroyable! C'est marrant parce qu'on est qu'à 15 secondes. Ouais, oh, voilà, c'est loin d'être fini, c'est ce que j'allais dire. Il est sorti pour prendre sa respiration. On était à ce point-là. Personne ne sait comment on coupe l'eau dans cette maison, ça se passe comment? C'est clair. Par contre, là, le plombier c'est un héros quand même là. Par contre, là, j'avoue. Qu'est-ce que tu fais? Non, bah non, quoi? Si, c'est une lessiveuse en vrai. Oh, la lessiveuse, elle va pas suffire, les gars. Attends, par contre, on en parle, quel lavabo a cette pression-là? C'est clair. De base. Bah, quand t'habites en dessous du château d'eau. Vraiment. La première maison. Par pitié, dites-moi qu'il a réussi quand même à la fin. Bon, il abandonne. Ouais, il abandonne. Je me casse. Un extrait de Chez les voisins en dessous. Putain, si on a pas de dénouement, par contre, c'est horrible. Ouais, c'est clair. What? Oh non! Envoyez-nous des nouvelles si vous pouvez. Ouais. Avez-vous apprécié ce divertissement gratuit si vous êtes là et que vous l'avez apprécié et que vous n'êtes pas? Alors c'est possible aussi. Mais vous êtes vraiment masochiste quoi. D'être resté jusque-là sans apprécier. Franchement, vous êtes un peu des. Connards. Voilà, celui-là, c'est celui-là qu'on veut. Si vous n'êtes pas des. Connards. Eh ben, abonnez-vous à cette chaîne. C'est trop bien comme demande. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les gars. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était les pires bricoleurs. Buscavida, bien sûr.